myself, money and make the world. Ah! Maman! Ah, merci. Comment ça va? Comment ça va? Merci, merci. Oh, maman, comment ça va? Eh oh, mon fils. Comment ça va, maman? Je suis très contente de te voir. Maman, bon après-midi. Eh oh. Comment ça va? Maman, voici Jennifer. Oui, okay. Jennifer. C'est ton amie? La fille dont je te parlais que je vais épouser. Oh, oh, maman. Mais tu ne m'as pas dit qu'elle était aussi élancée, très jolie. C'est vrai, maman. Je ne pensais pas qu'elle soit si mignonne. Maman, elle est très timide. Allez, arrête. Je suis timide, moi aussi. Mets-toi, ma chère. Merci, mets-toi, maman. Mets-toi. Dis-moi, d'où es-tu? Comment je viens d'un endroit. Le endroit de notre état? Mais ça, c'est notre état. Oui, maman. Tu es de quel côté? Tu vois, oh, maman s'est retrouvée. Mais ce n'est pas très loin de chez nous. Oui, maman. Eh oh! Eh oh, bienvenue ma fille. Merci beaucoup maman. Eh oh mon fils, tu sais faire le choix. Elle va être forte, hein. Tu as fait un bon choix. Maman. Encore une fois, bienvenue. Merci maman. Ah non, grande soeur, s'il te plaît, laisse non. Laisse-moi le faire à ta place. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Je le ferai toute seule. Attends alors, laisse-moi t'aider. Eh oh, maman. Maman, bonjour. Bonjour maman. Ah ah, mais pourquoi je balaye? Es-tu en train de l'accompagner moralement? Ce n'est puisque, pas ça, maman. Puisque toi, tu ne balayes pas. Prends un autre balai dans ce cas et va balayer dans ton coin. Ne t'inquiète pas, maman, je le ferai. Oh, bouge, angoisse. Bouge, dégage. Regarde la poussière, regarde un peu. Calme-toi, ne t'inquiète pas, non. C'est quoi ça? J'ai fait déjà toutes ces choses. Toi, reste à ma côté, ne viens pas ici. On est un goût. Toi, va allumer le feu pour que nous puissions apprêter quelque chose à manger. Ma belle. Dis-moi, est-ce que tu manges les agwa? Je mange tout, maman. J'ai demandé, puisque c'est ce que nous mangeons à la place des petits c'est déjeuners. Pas grave. Je mangerai, maman. Ngwamo, tu as bien fait. Merci, très maman. Chérie. Oui, mon cœur. Tu promets de m'épouser. Pour de vrai. Mais serais-tu pas en train de courir derrière ces petites filles après? Écoute, du plus profond de mon cœur, je t'aime beaucoup, bébé. Tu es à moi et je suis à toi pour toujours, mon bébé. Épouse-moi alors. C'est le seul moyen qui nous permettra de sceller cette relation. Oui. Se marier, mais c'est vraiment très tôt. Hein? On doit tout planifier, chérie. Qu'est-ce que tu as planifié? Ne veux-tu pas de moi? Pourquoi est-ce que tu dis ça? Je t'aime. Tony? Bonjour, bon après-midi, père. Monsieur. Bon après-midi. C'est quoi encore ton nom? Oledo, monsieur. Oledo. Oui, monsieur. Comment va ton père? Oui, elle va bien. Monsieur. Elle va bien. Non, oui, il va bien. Et toi, Tony? C'est sans le champ dans lequel tu es censé travailler? J'allais justement partir au champ. Mais je voulais vérifier quelque chose. Vérifier quelque chose? Tu vérifies quelque chose? Je viens de voir la chose que tu es en train de vérifier. C'est évident. Tu vois comment tu es devenu un imbécile. Oui, je vois bien ces choses. L'une est ouverte et l'autre en train de discuter. C'est vraiment clair. Lila. Continue de lier la chose. Je te laisse le temps de vérifier. Continue à vérifier. Viens, viens en entre. Maman, tu l'apprécies? Oui, oh. Cette fille fera une bonne femme pour toi. Je l'apprécie beaucoup. C'est vrai? Je t'ai dit, tu sais, quand je me suis réveillée, je l'ai trouvée en train de travailler. Elle était en train de balayer toute la parcelle. Elle le faisait avec ses balais traditionnels. Maman, elle est forte. Jennifer est forte. En plus, elle fait la lessive avec ses mains. Cependant, elle a la machine à laver. Mais Jennifer préfère de le faire avec ses mains. Mais elle me donne l'impression de ne pas être une travailleuse. Hein? J'ai même plaisanté en lui disant que nous mangeons les agbo ici, à la place des petits déjeuners. Mais elle me dit qu'elle va manger. Et l'imaginons, maman. Ce n'est pas possible.
Elle est notre mère. Elle mange tout, maman. Ça prouve qu'elle sera une bonne femme pour toi. Dépêche-toi pour aller l'épouser. Ne t'en fais pas. Je vais... Je vais arranger les choses de manière à ce que cela soit fait à Noël. Tout sera fait. Quel Noël? Au mois de décembre? Oui, maman. Allez, arrête. Nous sommes au mois de février. Dépêche-toi, oh. Tu dois aller l'épouser avant que d'autres hommes ne viennent te les ravir. Oh. Ne traîne pas. Oh. Maman, pardon, il n'y a personne qui va la prendre. D'ailleurs, c'est moi qui vais l'épouser. Je sais, non? C'est moi qui la reçois. Je suis sérieuse, pas, maman. Mon fils. Pas. Je vais le faire. Tu ne dois pas laisser passer cette fille. Maman, est-ce que vraiment tu la préfères? Ça, c'est le genre de fille à épouser. C'est quoi ça? Je ne t'ai pas demandé de tout créer. Fais superficiellement. Maman, je n'ai pas vraiment de force pour faire toutes ces choses. Un garçon fainéant, ton frère est parti au champ. Vous travaillez encore? Au biais, tu es de retour. Papa, bienvenue. Merci. Sois le bienvenu. Merci, ma chère. Tu travailles? Oui, papa. Ah bon? Ça, c'est bien. En quoi il est bon? Ma chère. Je pensais que Tony devrait être au champ. Il est au champ en ce moment. Quel champ? Notre champ, bien sûr. J'ai vu Tony en brousse avec une fille. Le voilà, papa. Il est de retour. Mon frère, mon frère. Ton père a dit que tu n'es pas parti au champ. Bon, papa, maman. J'ai quelque chose à vous dire. Est-ce que cela est supposé être la réponse à la question qu'elle vient à peine de te poser? Hein? Papa, essaie de m'écouter d'abord. C'est vraiment important. Je Mon dois mari, vous le dire. S'il te plaît, permets-lui de parler. Ok, dis-nous ce que tu as à dire. J'aimerais me marier. T'es marié? Tu veux te marier? Comment? Sans aucune préparation? Maman. Qu'y a-t-il à préparer? Ne suis-je pas un homme maintenant? Hein? Bien. Mon fils, je t'ai entendu. Et je dois dire, c'est pour la première fois que tu as bien raisonné. Cela nous montre que tu es maintenant prêt pour devenir un homme. Merci beaucoup. Non mais papa, es-tu en train de soutenir ce qu'il vient de dire? Pourquoi pas? Est-ce qu'il est toujours un petit? Tony a 26 ans. À son âge, j'avais déjà mon premier enfant. Tout simplement, la mort. Que son âme repose en paix. Mon mari, s'il te plaît, ne parle pas du passé. Je le pleure chaque jour. Mon amour, je suis désolé. Je suis désolé, mais... N'oublie pas qu'il y a 30 ans de cela. Tony? Papa, tu as dit que tu veux te marier. En effet, père. Ça, c'est bien. Tu as mon soutien total. Une fois encore, merci, père. Merci. D'accord. Mon mari. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es sûr de ce que tu dis? Oui. C'est un grand garçon. Hey, grand frère. Mon frère, comment ça va? Bienvenue, grand frère. Où est maman? Maman est dans la maison. Ma mère à moi. Comment ça va, maman? Maman? Mon amour. Qui s'est-il passé? Tu m'as fait traîner, hein? Je suis désolé. Je faisais quelque chose à la maison. Oh, je dois te dire un truc. Je parlais avec mes parents à propos du plan pour se marier. Et
Mon cher père est d'accord avec ça. Waouh, mais ça c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que je serai ta femme très bientôt. Ouais, je te dis vrai. Ça veut dire que je dois aussi l'informer à mes parents pour qu'ils commencent à se préparer. Bah, finalement, toi et moi, on sera ensemble pour toujours. J'en ai tellement hâte. Je vais être habillée en voile où on sera en train de me dire « La mariée arrive !» La mariée arrive. Merci, bébé. Je t'aime énormément, chérie. Je t'aime. Maman, tu ne sembles pas contente de me voir. Biko, je dois être contente de te voir. Ça veut dire quoi? Je dois donc me jeter au sol pour que tu saches que je suis contente de te voir, hein? Maman. Laisse-moi tranquille. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Il y a quelque chose de mal? Hein? Pourquoi es-tu en train de m'emmerder? Hein? Ton fils vient d'arriver, tu ne devrais pas être comme ça. Et alors? Tu es venu avec quoi? Dis-moi. Dis-moi, qu'est-ce que tu m'as apporté de bon? Je suis venu avec le pain et les biscuits. Il me parle de pain. À mon âge, je suis censé manger le pain comme ceci. Mais sais-tu pas que quand un homme grandit, ses désirs aussi changent, selon les besoins de l'âge et de ses attentes? Tu oses me parler de pain? Maintenant, mais maman... Mais je suis pas assez âgé pour être appelée grand-mère? Maman, c'est la raison pour laquelle tu t'es énervée. Mba! Enfant. Mba! Laisse-moi te demander, maman, suis-je les dieux qui donnent les enfants? Quels sont les efforts que tu as fait pour que Dieu entende tes cris et qu'il te vienne en aide? Maman, maman, tu me connais bien. Je fais, moi et ma femme, on fait ce qui est de notre mieux. Ne peux-tu pas faire mieux que le meilleur? Hein? À mon époque, moi, je n'avais pas autant souffert pour t'avoir. Une fois que j'étais entrée dans le mariage, je suis tombée enceinte et 9 mois après, tu t'es déjà née. C'est quoi ton problème? Maman, je ne m'attendais pas à avoir cette discussion avec toi. Je viens d'arriver. Je viens juste d'arriver. Tu ne m'as pas même accueilli. Eh, Ongwamo! Hein? Eh, ok, attends, je t'accueille comme tu le souhaites. Attends. Bienvenue. Mais non, maman, arrête. Bienvenue, mon fils. C'est quoi, maman? De quelle manière veux-tu encore que je t'accueille? Maman, s'il te plaît, arrête de faire ça. Arrête, s'il te plaît. Lâche mon pain, tu n'importe quoi. Tony, mon fils. Maman. Je t'ai appelé ici pour qu'on parle de ce que tu nous as dit. Le mariage n'est pas l'amitié. Ce n'est pas entre copines et copains. Ce n'est pas un jeu d'enfant. C'est un engagement sérieux. Une affaire pour la vie. Maman, je sais. Et je suis vraiment conscient de ça. Voilà. Tu dois encore réfléchir. Et comprendre que tu n'es pas encore prêt pour le mariage. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on aura à préparer? Hein? Hein? Quoi? En tout cas, c'est ce que je veux faire. Je l'ai déjà mis dans ma tête. Que je dois me marier. Tony, qu'est-ce que t'as? Tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'argent et même pas de maison. Tu veux nous amener une fille dans cette maison pour que ton père et moi puissions la nourrir? Tu peux avoir raison avec tout ce que tu viens de mentionner, mais... C'est moi qui ai les derniers mots. Voilà. Cette maison m'appartient et elle est plus large, elle peut tous nous contenir. Y compris la nouvelle femme qui va nous emmener ici. D'ailleurs, je vais vendre l'une de mes terres afin qu'il procède. Ça va l'aider à se marier et à commencer un business. De quoi d'autre parles-tu? Père, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, papa. Qu'il te bénisse aussi. Tu vois, maman, papa s'intéresse à mon cas. Il veut que je puisse me marier. Hein? Je comprends pas pourquoi tu essayes de me décourager. Hein? D'ailleurs, tu devrais être contente que ton fils ici présent est devenu maintenant responsable. Comme un homme devrait être. C'est pas grave, c'est pas grave. Hein, s'il te plaît, dis à la femme que tu comptes épouser de venir ici à la maison parce que nous avons maintenant, besoin de parler. Tu as bien parlé. Ça, c'est pas quand un problème, je t'avais elle viendra. Est-ce que j'avais son âge? C'est pas possible. Enfin! Oh. Maman, bienvenue. Y a-t-il quelque chose de bon que tu saches faire? Toi, cette fille. Hein? Tu as donc laissé la porte de mon fils ouverte. Qu'est-ce que tu sais faire de bon si ce n'est rester ici et regarder la télé, chatter sur ton téléphone, te maquiller et faire tes ongles? Qu'est-ce que tu sais faire encore de bon?
Hein? Toi. Maman, pourquoi tu essaies de chercher des problèmes là où il n'y en a pas ce matin? Pourquoi tu veux toujours qu'il y ait un problème entre toi et moi? Hein? Hey, regardez-moi cette stupide défi, oh. Tu essaies de dire que moi, Tinendo, Modewo, je suis une sémesse de troubles. Je suis problématique. Hein? Quelle audace! Qu'est-ce que j'ai causé comme problème? Donne des enfants à mon fils. Mon fils est en forme. Il est en bonne santé. Hein? Donne-moi des petits enfants. J'ai vieilli à mon âge. Je risque de mourir sans le porter. C'est quoi le problème? Maman, comme tu as décidé de rester là et parler, moi je dois te laisser. Qu'est-ce que tu essaies de faire, hein? Toi, rentre ici! Tu crois que je ne saurais me battre parce que j'ai vieilli? Tu veux blaguer avec moi? Toi, cette fille, tu me prends pour qui? Comment oses-tu me donner le dos? Hein? C'est depuis quand? Quel courage? Hein? Tu oses blaguer avec moi parce que je te laisse à 7 ans? Maman! Je t'ai entendu crier. Qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu es revenue. Voilà, mon bébé. Comment vas-tu? Bien. Comment tu me trouves? Mais tu es très belle. Merci. Mais juste, bébé, tu dois juste essayer un peu de diminuer le make-up. Tu dois les réduire un peu, tu vois. Après, ça serait parfait. Tu veux dire que mon make-up n'est pas bien placé? Bébé, non, ce n'est pas ce que je dis. Tu es toujours belle et tu es belle depuis ta naissance. Mais tu peux pas aller comme ça voir ma mère, hein? Hein? Alors que j'ai pris beaucoup de temps pour me rendre belle. Je sais, je n'ai pas dit que tu n'es pas belle. Mais exactement ici. Ici, juste à cet endroit. Hein? Réduis-le un peu. Hein? Ah, malheureusement, je n'ai rien sur moi pour m'essuyer. Attends une minute, je pense qu'il y a quelque chose qui pourrait régler ça. Maman, qu'est-ce que ma femme t'avait fait? Tu es arrivée jusqu'au point de... Et tu fermes ta bouche. Tu es juste un fou. Tu es vraiment fou, Emira. Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ne me traite pas de fou, réponds à ma question. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma femme? Si tu n'es pas un fou... Qu'est-ce que tu serais en train de faire avec cette stérile de Jennifer? Hein? On dirait que vous étiez tous deux hommes. Elle a certainement perdu ses trompes. Avec autant d'avortements. Maman, je t'en supplie au nom des dieux. Ne traitez pas ma femme pour un homme. Tu peux toutefois l'appeler folle, elle donnera naissance quand Dieu voudra. J'aime beaucoup ma femme. J'aime beaucoup ma femme. Même quand tu dis qu'elle n'a pas encore donné naissance, il n'y a rien qui peut nous séparer. Il n'y a rien qui peut me séparer de ma femme. Je veux que tu le saches. Je te l'ai dit clair. Va-t'en, du n'importe quoi. Attends. Je crois que je dois t'apprendre des choses que tu ne sais pas sur le mariage. Écoute, dans le mariage, l'amour ne suffit pas. L'amour ne sera tout comblé. Hein? Dans le mariage, vous avez aussi besoin des enfants. Si tu n'as pas besoin d'enfants, moi j'ai besoin de petits-enfants. Je crois que tu me comprends bien. Hein? Tu me dis que tu aimes ta femme. Qui connais-tu de l'amour? Tu crois que tu peux m'apprendre quelque chose de l'amour? J'aime ma femme. Quel amour insensé. Fou. Je verrai bien dans cette maison, moi et toi, et cette femme. Ok, vous me trouverez ici. J'aime ma femme. Ok, on verra. Combien coûte l'amour? Mon mari, la fille que nous attendons, elle doit être jolie, oh. Vous savez que mon frère a des yeux pour voir de belles choses. Vous devez tous patienter et attendre voir. Maman. Bon après-midi, maman. La voici, voici ma future. Bon après-midi. Son nom, c'est Olido. Olido. Oui, papa. Comment ça va?
Il va bien, monsieur. Mon mari. Tu la connais déjà avec sa famille? Celle-ci, c'est Oledo. Tu ne la connais plus? Oledo. Oui, maman. Je veux te poser une question. Tu sais ce que signifie le mariage pour une femme? Maman, mais c'est quel genre de question? Hé, mon ami, ce n'est pas à toi que je me suis adressée. Je ne comprends pas. Mon amour, cette question que tu viens de poser, ça n'a aucun sens. À ce point. Tony, amène notre femme en devenir à l'intérieur. Je te remercie, père. Merci. D'accord. Bienvenue au Ledo. Merci, papa. D'accord. Arrête d'encourager notre fils. Arrête de l'encourager d'aller se marier. Il ne sait rien sur le mariage. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il ne sait rien? Si il ne sait rien, nous devons l'apprendre. Écoute, à ce point, nous avons les rôles à jouer. Tu apprends la fille ce qu'elle ne sait pas. Cependant, moi j'enseigne mon fils ce qu'il ne sait pas et tout ce qu'il sait. Tu es un bon enseignant. Enseigne le deux. Non, je serai avec les garçons et tu seras avec la fille. Exactement, papa, vous avez raison. Hey, toi là, est-ce que moi je te parle? Est-ce qu'on t'a adressé la parole? Oh, n'es-tu pas mon fils? Ça suffit, bébé. Ok? Je veux que tu changes cette humeur. Honnêtement, maman n'a pas droit de te dire tout ce qu'elle t'a dit aujourd'hui. Je suis désolé pour ça. Je te supplie de les ignorer. Je ne veux pas te voir sous cet état. S'il te plaît, tu continues à être une meilleure femme pour moi dans ce monde. Ok? Je ne suis pas inquiète pour tout ce qu'elle m'a dit. Je ne m'inquiète pas pour ces mots. Mais regarde-nous. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi pouvons-nous pas avoir notre enfant comme tous les autres couples normaux? Je le souhaite. Bébé, je le souhaite et j'ai la réponse à cette question. Est-ce qu'il faut nous séparer pour manque d'enfants? Non. Nous devons avoir plus de patience. Nous devons plus patienter. S'il te plaît. On n'a pas assez patienté? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ne t'inquiète pas, ok? Je te promets, les mois prochains, nous devons aller voir un autre gynécologue. Je crois que cette fois-ci, nous aurons un résultat positif. Crois-moi. Ok? Crois-moi, il y aura un changement. Et tu penses que le résultat sera différent de tout ce qu'on a déjà eu? Celui qui cherche la chose dont il a besoin, il ne se jamais fatigué. Bébé, nous devons encore plus essayer. S'il te plaît. Ça suffit. S'il te plaît. Souris pour moi, bébé. Ma puce, mais dis-moi, c'est quoi le problème? Écoute, ta mère ne veut pas de moi. Je peux bien le comprendre. Non, ne dis pas ça, hein? Écoute, ma mère, c'est une bonne femme. Écoute. Elle a aucun rancœur avec toi. As-tu vu comment elle m'a détesté? Comme si je n'étais rien. Regarde, ma mère est juste surprise à l'idée que je veux me marier. Mais tu peux t'assurer, elle a aucun rancœur envers toi. J'ai peur, je ne sais même plus à quoi penser. Ella, tu ne dois pas être blessée de quelque chose. Hein? Tu ne dois pas être inquiet par rapport à ça. Viens là. Mon mari, arrête d'encourager notre fils par rapport à ça. Il n'est pas assez mature pour le mariage. Noma, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? C'est quoi avec toi? Cesse de croire que Tony est un toujours petit que tu connaissais depuis longtemps. Arrête. Tony est un grand garçon maintenant. Oui, je sais. C'est un homme. Mais cette fille-là n'est pas bonne. Je l'aime pas. Reine d'Angleterre. C'est quoi ça? Qui est en train de parler? Non, ça ne peut maman, pas arriver. Maman, tu as débordé, maman. N'est-ce pas, tu es ma reine? Hein? Tu ne peux pas faire ça, tu es ma reine. Quand il fait l'erreur, accuse-le chez moi. Je n'ai pas apprécié.
Je n'ai pas apprécié. Mais qu'est-ce que cela signifie? Comment est-ce que tu peux la traiter comme si elle n'était rien? Ah ah! Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je sais que de faire mon devoir comme une mère. Papa, parle à ta femme. S'il te plaît, parle à ta femme. Mon cher. Comment est-ce qu'elle pourrait traiter ma femme de cette manière, hein? Ça veut dire quoi tout ça? Mon cher, ne suis pas ta mère. Calme-toi. Ta mère est jalouse de voir une autre fille qui vient de prendre son fils de ses mains pour un long moment. Mon mari? Oui. Je ne suis pas jalouse. Bon, même si je suis jalouse, c'est pour une bonne raison. Cette fille-là n'est pas bonne. Mon fils doit épouser une belle femme. Maman, tu t'entends parler? Est-ce que tu t'entends parler? Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Tu es une femme et voilà que tu traites une autre de vilaine. Exactement. Exactement, tu l'as dit. Tu as dit que ta femme est moche. C'est pas moi qui ai dit ça. Et tu es plus belle que elle. En fait, père, pourquoi est-ce que tu as épousé cette femme? Quoi? Hein? Pourquoi tu dis ça? Non, calme-toi, ma femme, calme-toi. Non, calme-toi. Mon mari, ça suffit. Laisse-moi éduquer ton fils. Est-ce que ça peut arriver jusqu'à ce niveau? Est-ce que cette fille est jolie que moi? Regarde-moi très bien à mon âge. Je non, suis toi, plus jolie qu'elle. Tu es très belle, t'es plus qu'elle. D'ailleurs, toi, tu es ma reine. Hein? Laisse-moi, tu es en train de l'encourager. Ma reine. Ma reine. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Papa, nous te remercions à l'instant. J'aimerais que nous ouvrons nos bouches et remercions Dieu de tout ce qu'il a fait dans notre vie. Du fait que dormir et se réveiller, c'est un miracle, ouvrons nos bouches et remercions-les. Oh Père, nous te disons oh, merci. Oh Seigneur pour Jésus, tout ce que nous te disons merci de tout tes bienfaits. Merci Père. Oh, waouh! Hey. N'avons-nous donc pas droit au petit déjeuner ce matin dans cette maison? N'allons-nous donc pas faire quelque chose d'autre à part la prière? Maman, tu nous interromps au moment où nous sommes en train des de prier. Des sottises. J'ai faim, moi. Êtes-vous obligé de prendre toute une journée pour que Dieu vous réponde? Ah! Toi, pourquoi essaies-tu de faire de Dieu un menteur? Tu sais où tu as laissé tes trompes. Tu n'as qu'à aller les récupérer. À la place de déranger Dieu pour rien. Maman. Ferme ta bouche, tu ne sais rien. Je n'ai pas ton temps. Reste où tu es. Reste où tu es. Maman, s'il te plaît, vas-y doucement. Tu sais, quand on se réveille, nous devons remercier Dieu de nous avoir protégés la nuit. Ah, ferme-la. Qui est-ce que tu veux prêcher? Tu peux garder ton serment pour toi-même. Tu crois que tu peux me tromper avec ces semblants de vie de repentance? Toi? Bah, je suis plus intelligente que toi. Va m'apprêter à manger. Et du n'importe quoi. Ah, ah! Attends, reviens un peu ici. Tu sais bien que je ne mange pas du n'importe quoi. Laisse-moi te dire ce que tu vas préparer pour moi. Apprête-moi le thé. Le pain. Tu mélanges le beurre et la sardine ensemble. Tu m'as comprise, j'espère. Tu me fais aussi de l'omelette. Ce n'est pas bien, maman. Je n'aime pas ce que tu fais. Franchement, qu'est-ce que cela veut dire? Maman, je n'aime pas ça. Franchement. Tu me donnes la colère. Un moment... C'est qui t'énerve? Hein? Écoute, si tu t'énerves, je te gifle. Si je me fâche, moi, je te gifle aussi. À qui oses-tu parler? Mais...
imbécile. Insensé. Idiot. Maman, quand est-ce que tu vas quitter? Quand est-ce que tu vas partir? Quoi? Quand est-ce que tu vas quitter? Hein? Jamais. Je suis là. J'irai nulle part. Dieu lui a prêté déjà les dîners pour midi. Qu'elle m'apprête les riz et le plantain. Avec la viande, bien sûr. Tu as le courage de me demander quand est-ce que je vais partir. Vraiment. Allais-tu avoir le même courage de le demander à sa mère si elle était là? Tu es en train de manger? Oui, maman. J'ai très faim. As-tu cherché à savoir si moi, j'ai aussi mangé? Désolée, maman, je ne savais pas que tu étais... Tu as vu? Tu as vu pourquoi je dis que tu ne sais rien sur le mariage? Tu ne sais même pas que tu dois d'abord vérifier si ta belle-mère a mangé ou pas, avant que toi, tu ne puisses manger. Maman, je suis désolée. As-tu déjà mangé? Tu es stupide. Allez, donne-moi cette assiette. Idiote. Hey, je suis désolé de la manière dont ma mère t'a traité, hein? Mais jusqu'à quand? Qu'est-ce que je ne fais pas dans cette maison, moi? Ce n'est pas du tout juste. Ne t'inquiète pas, hein? Arrête de pleurer. C'est quel genre de viande ça, mon Dieu? Mais comment tu peux me donner ces morceaux de viande? Où sont les dents que je vais utiliser pour les mâcher? Bien, laisse-moi voir ce qu'il y a dans votre assiette. Tu as pris un bon morceau charnu et moi tu me donnes l'os. Place ces morceaux ici. Ne touche pas à mon assiette. Mets ça. Ça sont des morceaux que vous devez me servir. C'est quel genre de riz qui n'a pas assez d'épices? Hein? Il n'y a plus assez de tomates au marché ou quoi? Reste calme, ne réponds pas. Hein? Ah. Hey! Hey, hey, wow! Donne-moi de l'eau. Ah, le piment, donne-moi de l'eau. Donne-lui. N'ose pas toucher mon nom. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Je crois que le piment était soldé au marché. C'est pourquoi tu t'es décidé d'acheter tout un panier de piment pour le préparer avec du riz à la place d'autres épices. Maman, il y a du piment dans ces riz. S'il te plaît, il n'y a pas assez de piment dans ces riz pour que tu te plaignes comme ça. Oui. Comment ne serais-tu pas anormal? Tu n'as jamais admis qu'elle n'est pas bonne. Préparer du riz simple, elle ne sait pas faire. Hey, veux-tu me tuer ou quoi? Hey. S'il te plaît, maman, tu dois arrêter ça. Ma femme sait faire la cuisine et je me réjouis de la manière dont elle fait la cuisine. Hey. S'il te plaît, si tu ne veux pas le manger de la manière dont elle l'a fait, tu peux aller à la cuisine et faire pour toi. Ferme ta gueule. Arrête de parler comme un fou. Ne vois-tu pas que cette femme a caractère masculin? Tu vois ça? Elle n'est bonne à rien. As-tu vu? Elle ne sait pas admettre ses fautes. Hey. Maman, tu deviens insupportable. Tu deviens insupportable dans cette maison et je ne tolère pas. Tu Reste deviens silence. Vraiment insupportable. Donne-moi de l'eau. De l'eau. Donne-moi de l'eau à boire. Maman, mais qu'est-ce que ma femme t'a fait? Pourquoi as-tu confisqué sa nourriture? C'est de cette façon que tu salues maintenant ta maman. Maman, je ne fais pas de plaisanteries. Qu'est-ce que ma femme t'a fait? Je ne te suis pas redevable quand je suis en train de diriger ma maison. Mais pourquoi tout ça, hein? Mais pourquoi tout ça? Quand est-ce que tu laisseras ma femme en paix? Hein? Comme ça, enseigne ta femme. Comment être une femme mariée dans la maison de sa belle-mère? Ma... Qu'est-ce qui se passe ici? Papa,
S'il te plaît, parle à ta femme. Mais c'est quoi tout ça? Quand est-ce qu'elle laissera ma femme vivre en paix dans ma maison? Dans la maison de mon père. Non, ma. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas dans un tribunal. Alors que personne ne me pose des questions pour savoir comment diriger ma maison. Papa, ma tolérance a des limites. Il y a une limite à ce que je prendrai dans cette maison. S'il te plaît, rapproche ta femme. Parle à maman. Non, je ne veux pas te blâmer maintenant. Je ne te blâme pas. Parle-moi comme tu veux. Parce que tu es marié. Non, ma. Vous êtes des hommes mariés et femmes mariées. Parle-moi. Non, ma. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? C'est quoi ton problème? Donc je ne peux plus manger dans ma maison. Je ne peux plus manger qui dans ma maison. Dit? Parce que mon fils est marié. Personne ne l'a dit, Noma. À mon entrée, je t'ai vu en train de disputer avec ton fils, notre fils. Je t'ai posé la question, tu m'as répondu, tu ne veux pas des questions parce que tu ne veux pas que personne t'apprenne comment diriger ta maison. Donc tu attendais qu'à mon arrivée, je vous ai vu en train de se chamailler, je vous laisse et je passe, c'est ça? Comme ça, dis-lui de ne pas prendre parti. Noma, réduis la vitesse de tes pas. Réduis tes pas, Noma. Tu ne vois pas que tu as exagéré? Prends cette fille comme ta propre fille. Mon amour, je suis vraiment désolé pour tout ce qui t'a en dirait. S'il te plaît, pardonne ma mère. C'est très dur pour moi à supporter. Dieu m'est témoin et il sait que je ne lui ai rien fait de mal. Mais pourquoi elle me hait autant? Non! Elle ne te hait pas. Arrête de dire ça. Je peux le sentir. Je le vois dans ses yeux avec sa manière de me regarder. Bébé, ne la prends pas si dur. Bientôt, on va partir et tu oublieras toutes les réalités que tu as vécues avec maman. Mais on est amoureux. Est-ce que tu comprends, moi, cela? Elle ne peut pas arriver à nous séparer. Hein? Jusqu'à quand je vais endurer ces tortures? Je ne sais jusque quand. C'est fini, d'accord? C'est fini, je suis là pour toi. Hein? C'est fini. Hein? Hein? Ok, c'est bon. Entre à la maison, je vais te servir à manger. Viens, viens manger. Tony, ce que maman fait, est-ce juste? Pas du tout. Je lui avais parlé à propos de ceci. Mais pourquoi elle fait tout ça? Mais pourquoi elle traite ma femme comme si elle était une étrangère? Pourquoi? Tony, apaise-toi. Ne te querelle pas avec maman, s'il te plaît. Elle va changer. Ça serait mieux qu'elle change. Ça serait mieux qu'elle change parce que ma patience atteint ses limites. Calme-toi. Baby, ma mère viendra demain. Elle fera une semaine avec nous. Encore? Bébé, nous venons de surmonter une semaine de troubles. Baby, contrôle ce que tu dis, pardon. Nous parlons de ma mère ici. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? N'est-ce pas si c'est mal te voir? Je t'en supplie, s'il te plaît, va la voir ailleurs. Tu sais la vérité? Tu veux assez que je laisse le chat libre? De quoi est-ce que tu parles? Elle vient accompagnée de mon frère. Mon frère vient juste nous consoler. Donc... C'est facile pour toi de le dire parce que tu n'es pas souvent à la maison. Bébé, je suis désolé. Je suis désolé de la manière dont je te l'ai annoncé. Mais écoute, mais je veux que tu comprennes. Oui, je sais que ma mère te mettra chaud comme toujours. Mais je veux que tu l'acceptes, s'il te plaît. Je ne peux pas l'interdire de venir ici. Tu sais que je ne peux pas. Essaye de voir comment tu peux rester avec elle. Tu comprends? Vraiment, s'il te plaît. Pardon. Ok, je suis désolée. Que ferais-je d'autre?
je ne peux pas l'interdire de venir ici. Merci. Mais pour ton frère, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Il veut juste changer d'environnement. C'est juste ça. Aussi, ma petite sœur viendra pendant les heures du repos à l'école, s'il te plaît. Ok. S'il te plaît, puis-je te demander une faveur? Oui, oui, vas-y. Est-ce que ma petite sœur peut aussi venir vivre avec nous? Bien sûr. Es-tu sérieux? Pourquoi pas? Oh, merci. Allez, ça ne fait rien. Je t'aime. N'importe quel moment. Merci. Ça va? Ah, père. Tony? Et... Pourquoi tu es en train de fêter? Ah, papa, il y a une chose très importante que je veux discuter avec toi. Ah bon? Donc, je veux que ça soit en buvant. Ah. En même temps, nous discutons. Ne t'en fais pas, donne-moi mon verre. Oh. Tu sais, je suis très heureux, père. Merci. Je peux le voir. D'ailleurs, je peux te le prouver. Est-ce que je peux ouvrir? Ouais, je vais parler, mais ça doit être en buvant. Hein? Ça mérite d'être tranquille. Minute, tu veux me dire que... Ça, c'est pour... Je vais te dire pourquoi nous prenons le champagne avant que je l'ouvre. T'as l'air assoiffé. Tu peux être sûr. Je ne veux pas demander pourquoi nous prenons ce vin, mais tu as dit que tu as besoin de causer avec moi. Oui, vraiment, en effet. Buvons d'abord. Ça, c'est l'original. N'emporte pas ma nature. Oui, je t'avais dit. Doucement. Sinon, ça va jaillir. Sans l'odeur de sa saveur. Ça va comme ça? Ça suffit. C'est bien pour moi. Ok, c'est d'accord. Assez... Parce que pour moi, je vais vraiment remplir le verre. Papa, haute qualité. Ne me rappelle pas ces années-là. Oui, justement. Exactement. Oui. Un bon vin. Très génial. C'est du bon, ça. Hein, Tony, c'est quoi? Tu as dit que tu as besoin de causer avec moi. Ouais. Père, tu sais qu'actuellement mon business avance et j'ai gagné beaucoup d'argent. Oui. Je te demande de me donner des instructions parce que je vais construire une maison. Hein? Oui, père. Hein? Oui, père. Hey. Laisse-moi d'abord boire du vin. Ok, tu es libre. Tu es libre. Tony. Oui, père. Je peux dire, Dieu a commencé à exaucer mes prières secrètes. Je ne sais pas comment je peux le remercier. Merci, père. Hein? Merci. Ça, c'est le commencement des commencements. Amen. Merci beaucoup. Laisse-moi te dire, tu sais, toutes mes terres, l'endroit où tu pointes, ça t'appartient. Waouh. L'endroit ne me dit rien, aussi la grandeur. Tu as le choix. Merci beaucoup, père. Tu es fait pour moi. Tu auras une longue vie. Il te garde aussi longtemps. Tu feras des grandes choses. Amen. Amen. Celui-ci, c'est mon fils. Laisse-moi prendre mon père, encore Dieu le vin. Va te garder pour moi. Amen. Ok. C'est gentil. Je la prendrai à ta mère. C'est une bonne nouvelle. Je ferai tout pour qu'elle sache ça. Oui, mais s'il vous plaît, papa, ne le dis pas encore. Pourquoi? Je ne veux pas qu'il puisse savoir maintenant. Même ma femme et mon frère Kevin. Je veux que ce soit une surprise spéciale. J'ai vraiment un garçon. Je suis le fils de mon père. J'ai réellement un garçon. D'ailleurs, tu commences à penser comme un responsable. Et d'ailleurs, c'est un bon pour un homme. Garde pour lui certaines choses dans son cœur. Exactement, exactement. Je ne lui dirai pas. Bam. Peut-être jusqu'à ce que la fondation sera élevée. Ouais. Développer aussi les affaires. Peut-être c'est ce jour-là que vous pourrez dire, on va découvrir ce que fait ton fils. Allez-y maintenant voir. Mais si tu l'as dit concernant la maison, c'est bien. Dans un premier temps, c'est ce que je veux. C'est exactement ce que je veux.
Bébé, ouais, je sais. C'est qui? Oh, maman. Hein? Bienvenue. Oh, merci. Petit frère, oui, comment ça va? Ah, oh, mon frère, bienvenue, bienvenue. Comment ça va? Oh, mets-toi, mets-toi. Mets-toi. C'est ici la maison de votre frère. Sentez-vous à l'aise. Maman, tu es la bienvenue. Sentez-vous à l'aise, hein? Sentez-vous à l'aise. Eh, oh. Maman? Mais qu'est-ce qu'il y a avec cet homme qui part comme ça sans pour autant me saluer? Maman, ne commence pas cette réunion comme ça. Mon frère, viens te mettre ici. La nourriture est prête, ok? Allons manger. Allons manger. C'est pourquoi elle était allée arranger qui l'a préparé? Maman. C'est parce que je sais. Qui c'est toi? C'est toi qui apporte l'argent. C'est toi qui prends soin de la maison. Et c'est toi aussi qui prépare. Maman, qui dit que c'est moi qui prépare à manger? Bien sûr, c'est ma femme. C'est elle qui fait la cuisine. C'est elle. Non. Dans ce cas, je ne mange pas. Tu ne vois pas manger? Je ne peux manger une nourriture qui est faite par une femme qui a des caractères masculins le plus dominant. Non. Mon frère, laisse maman, elle n'a pas faim. Quand elle aura faim, elle viendra manger. Pourquoi tu fais ça, maman? Maman, mais qu'est-ce que tu dis? Cette femme prépare mien bien plus que toi. Que tu te punisses avec cette sale bouche que tu as. Qu'elle a fait tout ça battre sur toi. C'est décharge sur toi. Ça, c'est tout, maman. Je peux voir que vous voyez déjà quand il disait cela. Allons manger, s'il vous plaît. Pardon. D'accord. Allons manger, maman. Laisse-moi. S'il vous plaît, maman. Ah. Trop de poussière. Tout est sale partout. Vraiment, hein? Ah, je suis arrivée. Oh Dieu, merci. Oh, maman, vraiment. Bienvenue. Merci. Es-tu venue chercher Emera? Non, je suis Angela. Maman, vous voulez dire que vous ne me reconnaissez plus? C'est Angela. La sœur de Jennifer. J'ai cru que c'était un vrai humain. C'est plutôt une demi-personne. Enlève tes pieds du fauteuil. C'est quoi ça? Et pourquoi tu es venue avec cette grande valise? Je ne comprends pas, maman. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il n'y a pas d'espace ici. Hein? Reprends tes valises et va-t'en. Je vois que tous vos membres de famille se sont décidés de venir ici. Maman, je ne peux pas te permettre d'insulter ma famille. Angela, allons-y. Quelle audace! Allez où? Bien, rentre ici, toi! Ne va pas là-bas! C'est comme ça qu'elle se comporte? Cette fille ose passer jusque là-haut. Ok, on verra. Attendez le retour de mon fils. Ta famille s'est décidée de tuer mon fils, donc, hein, je vois. Jamais! Ça ne marchera pas. Vous ne réussirez pas, non! Il n'y a pas d'espace ici, tu n'as pas où dormir. Je ne te laisserai même pas mettre ton pied dans ma chambre. Pas question! Regarde mon frère, en fait je n'apprécie pas du tout ce que maman est en train de faire. Mon frère, ça ce n'est pas vraiment un problème. Mon problème est celui-ci. Est-ce que tu sais qu'Angela et maman se sont discutées aujourd'hui? Qu'est-ce que Angela lui a fait pour qu'elle lui crée des problèmes? Maman nous crée beaucoup de problèmes. Et elle a oublié qu'elle va bientôt rentrer au village et puis elle va nous laisser avec la femme du grand frère. Et surtout notre frère va au travail. Ça ce n'est pas mon problème. Mon problème est que maman ne me donne pas la chance d'avoir Angela. Elle gâche tout pour moi. Est-ce que tu es normal? Nous discutons de quelque chose de très sérieux, tu parles d'Angela. Hé, tu n'iras. Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas, je ne suis pas de ton âge. Est-ce que je t'ai interdit de ne pas parler plus que ce que tu devais parler? Tu me demandes qu'est-ce qui ne va pas avec moi, tu es fou? Être frère, ce n'est pas dire que nous sommes devenus amis. Je vais te donner des gifles maintenant pour que tu apprennes à me respecter. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ne me touche même pas. Être frère ne veut pas dire que nous sommes amis, parce que nous grandissons dans une même maison paternelle et tu commences à me considérer comme ton ami, c'est ça? Je ne te blâme pas, c'est maman que je dois blâmer. Fou! Chérie, je veux à ce que nous discutions concernant les problèmes de la propriété.
la propriété de la maison. Qu'en est-il? Ou tu veux me faire ce que ta mère m'a fait? Tu sais, le problème est que tu as tout négligé. Tu ne fais rien concernant la propriété de la maison. Rien du tout. Mais comment je peux m'en charger de toute cette maison? Mais ta sœur est là. Et tes frères alors? Excuse-moi. Chez nous, les hommes ne font pas les travaux ménagers. Au moins balayer la cour et laver les béquilles. Ok, moi aussi. Oh. Arrête avec cette blague. Arrête avec cette bêtise. Tu es vraiment en train de m'énerver. Merci Dieu parce que tu l'as dit. Puis-je respirer maintenant? Ne t'inquiète pas. Ma jeune sœur viendra dans cette maison. Probablement tu seras contente d'apprendre à ta jeune sœur de bonnes manières. S'il te plaît, je zappe. J'ai besoin de voir autre chose. Mais tu m'as trouvé en train de regarder ce film. Tu as laissé la télé dans la chambre et tu es venu ici juste pour me déranger. Mon amour, tu fais la vaisselle? Est-ce que je peux t'aider? Non. Tu ne peux pas agir comme ça. Je ne suis pas ma mère, laquelle tu peux discuter avec. J'ai voyagé quelques jours durant, mon frère et moi, on n'a pas resté avec elle. En plus, nous restons dans une même maison, ça serait très mal si tu ne me parles pas. Ok. Je vais y penser. D'accord, comme ça je peux commencer avec une petite présentation. Mon nom c'est Ikena. Angela. Tu avais dit que tu voulais m'aider, non? Oui. Vas-y, fais ça. Salut. Comment tu vas? Ta sœur est à la maison? Non, elle n'est pas là. Ok. Est-ce que je peux trouver quelque chose à manger? Bien sûr, va voir dans la cuisine. Ah, ok. Je vais aller me rafraîchir d'abord. Je reviens après manger. Que penses-tu que tu es en train de faire? Oh, tantine, bonjour. Je nettoie la maison. Tu nettoies la maison? Cette maison paraît sale à tes yeux? Non. Ou ta mère t'a dit quelque chose? Non, tantine. Ma mère ne m'a rien dit. Je nettoie la maison parce que c'est un travail ordinaire pour moi. D'ailleurs... Tu dois bien le faire. Reste là et embarrasse-toi toi-même. Tu es assez responsable, n'est-ce pas? Où est le problème? Si je nettoie la maison, mon Dieu. Que signifie tout ça, non? Et Seigneur, s'il te plaît, épargne-moi de tout ça. Je ne vois aucun mal, vraiment. C'est pas vrai. Oledo, tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est dormir. Regarde comment la parcelle est sale. Maman, je ne me sens pas du tout en forme. Ma copine, lève-toi et arrête d'être fainéante. Cherche un balai, balaye-moi toute cette parcelle.
Maman, je ne crois pas être en mesure de faire quelque chose. Je me sens très faible. Es-tu normal? Et de vertige. Je dis lève-toi. Lève-toi, va balayer la personne. Lève-toi. Maman, essaie de me comprendre. Non, je dis lève-toi. Pas du tout. Es-tu normal? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Je lui demande de balayer la parcelle et elle me donne des explications. Ah, Oledo, pourquoi tu ne veux pas balayer la cour de la parcelle? Papa, je ne me sens pas du tout bien. Tu ne te sens pas du tout bien? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Elle a la fièvre exactement. Elle ne s'élève même pas. Mais c'est vrai, elle a la fièvre, elle est incapable de faire quelque chose. Mon cœur, est-ce que ça va? Non. Pardon, excuse-moi. Peut-être qu'elle est enceinte. Ah, hein? Je suis pas sûr. Dans ces cas, Tony. Oui. Amène-la à l'hôpital rapidement. D'accord. Fais vite. Oui, allons-y, ma chère. Debout. Debout. Ok. Attends, où sont tes babouches, hein? Attends. Viens, 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 viens. Non, 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 pas comme ça. Doucement, doucement. Ma femme est enceinte. Et? Hey! Hey! Oui, c'est le docteur qui l'a dit. C'est vrai? Ouais, je vous dis. Je suis heureuse pour vous deux. Félicitations, frère. Gloire à Dieu. Ma femme, je vais devenir bientôt un grand-père. Moi, la grand-mère. Bien sûr, oui, le plus grand oncle. Regarde-le. Regarde celui qui parle. Ma fille, s'il te plaît, pardonne-moi. Trouve une place dans ton cœur pour me pardonner. Peu importe ce que je t'ai fait, pardon. Oh. Maman, je ne garde pas une dent contre toi. Tu es comme ma mère, non? Merci beaucoup. Est-ce que tu comprends ça? Exactement. Oui, papa. Tony, suis-moi. D'accord, père. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Maman. C'est bon, maman. Jolie fille. Sois la bienvenue dans ma famille. Ah ah! Belle-mère et sa belle-fille collaborent. Mon fils, prenons place de ses côtés. D'accord, père. Et... Enfin. Ah, tu peux déposer les verres? Je les pose là. Ok. Ma chère, cette bonne nouvelle, ça va marquer les débuts de toutes les bonnes nouvelles dans notre vie, aussi dans ma famille, au nom de Jésus-Christ. Oh. Amen. Je profite de cette belle opportunité de dévoiler un secret. Oui, oui. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle? Calme-toi, ne sois pas pressé, tu vas l'écouter. Papa le sait déjà. Oui. Maintenant, tout le monde sera au courant. J'ai construit une maison. Quoi? Ça serait bientôt fini. C'est complètement fini. Ça veut dire que ma femme et moi, ma femme et moi, irons dans une nouvelle maison. Exactement. Avec ta maman. Allez où? Tu vas me laisser vivre avec qui? Tu me laisseras avec qui? Tu n'iras nulle part. Je vais prendre soin de ma belle-fille, s'il vous plaît. Ne t'en fais pas. Elle t'appellera qu'elle aura besoin de toi. Exactement, exactement. Et toi là, tu n'iras nulle part. Même d'après la tradition, maman viendra prendre soin de ma femme. C'est exactement son devoir. Limites. Quand Quelle ça va arriver à ça? Quelle limite? Pardon, j'irai d'abord. Ça arrive déjà. Eh où? Comme je l'ai dit avant, la célébration. Cette bonne nouvelle. En plus, ça c'est le commencement d'ouverture de toutes les portes. Amen. Dans ma maison, dans ma famille, aussi dans notre vie. Amen. Ça c'est
pour ma... Attendez que... Ma reine de... Vous aide, papa. Attends, attends, tu l'auras. Pour l'instant. Reine Obiezi. Sois calme. Reine Obiezi. Mère de mère. Merci, maman. Partagez-vous ça. Prends pour toi, donne aussi à ton frère. Montre-moi un peu ton verre. Toi, tu mérites d'avoir beaucoup. Non, ça, non, c'est bon. Tu le mérites beaucoup. Non, c'est bon, papa. Bien, c'est assez pour moi. C'est assez pour moi. C'est votre nourriture. Où est-ce que tu as eu ceci? Je l'ai cherché, mais je ne l'avais pas eu. Tu n'étais pas encore rentré du marché. Merci beaucoup. Ton frère n'a pas apprécié la nourriture? Ah, lui? Ne le suis pas. C'est comme si il n'a pas besoin de manger avec okay. nous. Ok. À ma petite connaissance, personne ne peut rejeter la nourriture préparée par cette belle dame. Ok. Merci, merci beaucoup. Oh non. Peut-être l'entend écouter ta voix, l'appeler pour manger. Ok, s'il te plaît, viens manger. Mais c'est bien, c'est voilà. bien. Si c'est du sucre que tu veux, pourquoi pas prendre ces gobelets du thé et les renverser à l'intérieur? Si c'est du sucre que tu veux, tu peux l'avoir maintenant. Pourquoi tu as fait ça? Il y a des assiettes sales derrière toi, tu ne peux pas les laver, tu es là en train de tout manger. Finis tous ces sucres, du sucre que tu voulais, tu en as maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la femme de ton frère. Et qu'est-ce qu'il a fait encore? Il a stupidement versé ma tasse du thé dans la boîte du sucre sans raison. Peux-tu imaginer? Donc, tu n'as rien fait pour jeter ton thé. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? Tu es fou? Tu penses vraiment que je suis venu vous dire les mensonges? Pourquoi tu prends sa part? Hein? Donc tu ne sais plus qui est ton frère dans cette maison, hein? Ah, Ikina, s'il te plaît, t'inquiète. J'irai lui demander pourquoi est-ce que tu as fait ça. J'irai lui demander. Ok? Calme-toi. Je parle, tu ouvres aussi ta bouche pour parler. Nous sommes devenus amis. Ce n'est pas ta faute. S'il te plaît, vas-y, joue. Ok, que je laisse tomber. Mais c'est ça? C'est à toi qu'il parle. Tu blagues, je deviens ton ami, c'est ça? Tantine, bon après-midi. Bon après-midi, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Je veux juste savoir pourquoi est-ce que tu as transversé le thé d'un quena dans la boîte à sucre. C'est quoi ces bêtises? Est-ce que tu as vérifié ce qui s'est passé avant de me demander? Ou tu crois que je ne peux pas corriger ton frère tant qu'il est dans ma maison s'il commet une erreur? Je n'ai pas dit ça. J'ai juste dit... Waouh! Et c'est depuis quand que tu as commencé à poser ce genre de questions stupides à ma sœur? C'est qui la souris qui ose ouvrir sa gueule devant moi? Excuse-moi, qu'est-ce que tu as dit? Toi, qui es-tu pour oser me questionner dans la maison de mon frère? Regardez-moi cette idiote. N'as-tu pas vu ce qu'elle vient de faire à mes frères? N'as-tu pas vu? Toi, écoute, n'ose pas tonner sur moi. N'ose jamais me pointer du doigt. M'as-tu compris? Regardez-moi cette chose devant moi.
Une bonne à rien qui vient distraire ma soeur dans sa propre maison. Est-ce que ça va avec ta tête? Dis-moi. Faire l'échange de paroles avec toi, c'est me rabaisser à ton niveau. Oh, c'est vrai? Imbécile. Espèce de cochon. M'as-tu traité d'une souris? Écoute, Ebere. Tu ne devrais pas se disputer avec Angela de cette manière. Ikena, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Pourquoi Angela va-t-elle l'interroger comme ça? Est-ce qu'elles sont amies? Pourquoi tu cites les noms d'Angela ici? Je vais essayer de mettre la paix et tu appelles ma femme Angela. Ikena, tu es un fou. Ha, Ikena, tu es stupide. N'est-ce pas que c'est à cause de toi que je me suis disputé avec cette bonne arrière? Tu es là pour prendre son parti. Que veux-tu dire par là? Non, Ikena, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Dis-moi. C'est quoi ton problème? Attends. Est-ce que je te dis que c'est Angela qui a versé mon thé? Je dis que c'est la femme de ton frère qui a versé mon thé. Arrête-moi cette bêtise! La ferme! Tu sais quoi? Tu es vraiment stupide. N'est-ce pas contre toi que j'ai discuté avec cette fille? Hein? Et tu es en train de la protéger. Ibéré, je ne protège personne. J'essaie seulement de... Est-ce que tu veux te taire si je n'ai absolument rien à nous dire maintenant? Ne me poussez pas, sinon ça va finir très mal. Oui, mais tu ne vas rien faire, hein? Écoute, ne me provoque pas. Va-t'en! Il est en train de prendre part de cette stupide fille. Mais tu l'imagines, c'est pas normal ça, hein? Laisse-le, ne te quitte même pas de lui. Écoute, Angela. Je suis désolé de la manière dont ma sœur s'est discutée avec toi. Écoute, je n'ai pas fait du bruit. J'ai laissé ta sœur aujourd'hui à cause de toi. Mais la prochaine fois, si elle ose encore le faire, je me chargerai d'elle d'une façon qui étonnerait tout le monde. Il n'y aura pas de prochaine fois. Elle ne le fera jamais, ça je te le jure, pas dans cette maison. Et non quand je suis dans cette maison. C'est mieux. Je suis désolé. D'accord. Essayons maintenant de changer les sujets. D'accord? Où est du thé que ma sœur avait apporté? Oublie d'abord le thé, je ne vois plus le boire. Vraiment, essayons de changer de sujet, tu vois? Ah oui, tu diras. Hé, hey, beau garçon. Tu es ici tout seul. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais? Et avec qui devrais-je être? S'il te plaît, je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit. C'est de cette façon que tu parles à ta jolie chérie? Non, mais de quoi tu parles, toi? Donc, où est-elle? Comme je te l'ai dit, je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit. N'ose plus jamais le sortir de ta bouche. Pourquoi une telle réaction? C'est parce que j'ai discuté avec ta sœur? Ok, je suis désolée. Ce n'est pas auprès de moi que tu dois t'excuser. Tu dois le faire auprès d'elle. S'il te plaît, excuse-moi. Comme je te l'ai dit tantôt, je n'ai pas envie de parler à qui que ce soit, alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Hé, hey mec, comment ça va? Ah, Tinera. Tu es toujours en colère contre moi? Je suis désolé. Je ne suis pas en colère. Je suis juste dérangé par la manière dont tu gères tes choses avec Angela. Je pense que vous deux avez quelque chose en commun. Angela que j'ai vue grandir? Moi et elle, nous avons quelque chose en commun. Celle qui a une vie inférieure. Angela, c'est une petite fille. Qu'est-ce que je vais imaginer, moi, Ikena? Qu'est-ce que tu penses? Je suis là en train de penser que vous deux vous êtes en amour ou quelque chose comme ça. Mickey, non, elle est juste venue s'excuser à propos du souci qu'elle avait avec Ebere. Et moi, je n'ai aucun problème contre elle. Présenter ses excuses. Qu'est-ce que tu fais ici alors?
Angé, comment ça va? Où est-ce que tu vas comme ça? Je veux balayer la parcelle. Tu veux te stresser pour rien au moment où je suis ici? C'est quoi mon travail alors? Qu'est-ce que je fais dans cette maison? Ah, tu n'iras. Je ne t'avais pas dit que ce que tu fais, c'est mon travail. Ah, je suis ici, tu veux te stresser pour rien. Et tu les tiens toujours. Non. Ne vas-tu pas que je suis dans cette maison? Ok, c'est quoi mon travail alors? C'est pour prendre soin de toi et s'assurer que tu ne te stresses pas. Wow. Tu ne sais pas? Non. Ah! Une belle fille comme toi, tu veux te faire souffrir sous soleil au moment où je suis là. Je suis quelqu'un de métier, je fais tout travaux. Ah, et qui ne prépare, je prépare. Cours, je cours. Si c'est toi qui m'envoie, je vais le faire. Ok, cours. Reviens. Agenouille-toi. Ne le fais pas avec moi. Oh. Regarde cette fille. Entre à l'intérieur, belle fille. Ah, attention, attention, attention. Est-ce que nous pouvons nous voir après? J'espère qu'il n'y a pas de problème. Ah non, il n'y a rien. Ça ne peut pas poser problème avec moi parce que je suis heureux. Je suis un être hospitalier. J'aime les gens qui sourient, spécialement comme toi. Tu me donnes la joie. Donc, retrouvons-nous après parce que tu vas me donner la joie. Hein? Ok. Vas-y, cours encore. Ne joue pas avec la course. Ce n'est pas facile, oh. Hey. Salut. Tu fais la lessive? Donne-moi, je vais t'aider. T'inquiète, il y a des trucs purement féminins ici. C'est ce que j'aime, laver les habits des filles. Je les lave très bien. T'inquiète. Hein? Angela? Oui? Est-ce qu'il y a-t-il quelque chose en commun entre toi et Chinera? Non. Hein? On a juste parlé avec lui à propos de ma discussion avec sa sœur. Juste ça. Seulement ça? Hein? Ok. C'est tout ce que tu avais à me dire? Ce n'est pas tout ce que j'ai à te dire. Tu sais, le problème est très compliqué. Ça me fait un peu bizarre. La bouche veut que je le dise, le cœur refuse. Que je le dise, le cœur refuse, tu vois? Je vais le dire, ça se bloque. C'est bloqué à ces niveaux, tu vois? Ça veut sortir, mais quelque chose les pousse encore, tu vois? C'est bloqué. Tu sais, je pense, je continue à penser. Ça me pousse. Ikena, dis-le, ne le dis pas encore. Dis-le, ne le dis pas encore. Dis-le. Donc c'est bloqué. C'est un peu ça. Et dis-le-moi. Que je le dise? Ha! Comme tu me demandes de le dire, Angela. Angela, ne te fâche pas si je le dis, oh. Parle, je t'écoute. Angela, je t'aime. Je ne comprends pas. Je t'aime, moi, Ikena. Je t'aime, toi, Angela. Tu comprends? C'est comme ta sœur qui est mon frère. Quelque chose de ce genre. Hé, hey, mon oui, Dieu. Oh. Ok, Ikena, écoute-moi. Je n'ai pas à dire pour l'instant. Pourquoi ne pas me donner un peu de temps pour y réfléchir et je te répondrai avant que tu n'ailles au lit. Hey, pas de problème. Je ne pars pas au lit. Je t'attends pour me donner la réponse. Tu es très comique. Hein? Donc je dois aller t'attendre au lit. C'est ça? Que je parte au lit, seulement comme ça? Angie? Ouais. Oui, Dieu. Je suis en train de partir au lit. Hé, hey, mon Dieu. Oh, oh mon Dieu. Ah, oh. Ikena. Hmm? Mais là, je te vois essayer tes habits. Où est-ce que tu vas? Ah, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je vais tout prendre quand je vais retourner, je pars nulle part. Mais pourquoi est-ce que tu les jettes comme ça en débandade? J'ai dit que je vais les arranger à mon retour. C'est pas comme ça qu'on fait les choses, oh. Assure-toi d'arranger toutes ces choses avant de partir d'ici. Fais attention, jeune homme, j'ai dit que je vais tout arranger quand je vais retourner.
Tu ne m'as même pas dit où est-ce que tu vas, Inkenao. Sois content pour moi. Ne dérange pas ton visage n'importe comment. Sois content pour moi. Je sais très bien où est-ce que tu vas. Ne t'inquiète pas. C'est beau si je porte comme ça? Oui, je préfère celle-là. Mais celle-ci, tu l'avais portée hier, non? Ah, oui, celle-ci je porte est jolie. Celle-ci? Oui. Ah! Je reviens bientôt. À mon retour, je vais tout arranger, ok? Ikena. Ah, ah. Né. Comment ça va? Tu fais la vaisselle? Oui, oh. Je viens juste de faire quelque chose dans la cuisine. Ikena, c'est le travail d'Angela, non? Ah, ah. Est-ce que c'est un crime si quelqu'un d'autre le fait? Non. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mon frère. Ça fait quoi? Tu es en train de faire la vaisselle, Ikena, dans la cuisine? Non. Non. Je lave la casserole dans la toilette. Et tu es content? Pas de problème. Et... Bonne chance. Bonne chance encore. Fais bien ta vaisselle. Bon départ. Tu me vois en train de faire la vaisselle et tu me poses la question. Qu'est-ce que je vais te répondre? Non, je lave la voiture. Inutile. Laisse-moi t'aider. Non, ne t'en fais pas, je vais balayer seul. Laisse-moi t'aider et toi va te reposer. Ok, comme tu insistes. C'est gentil. Ah ah! Angie, pourquoi tu balayes? Où est Tidera? Il est entré dans la chambre. Non, tu ne peux pas balayer. Moi, je suis dans cette maison. Toi, tu balayes. C'est quoi mon travail? Non, ne fais pas ça. Mets-toi et je vais balayer partout. Ah ah! Ah ah! Tout ce qu'on te donne comme travail, donne-le-moi. Est-ce que tu comprends? Ah ah! Ah 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 ah! Tu es belle et tu balayes. Ne balaye pas. Non, ne le fais pas. Angie, belle fille comme toi, tu balayes. Alors, où est mon travail? Si on te demande de faire, cherche-moi et envoie-moi. Peu importe le travail qu'on te donne, ne le fais pas. Appelle-moi, je vais le faire, ok? Ah, ah. Merci. Pourquoi beaucoup. Tu me remercies? C'est quoi mon travail? Ce n'est pas pour balayer. Tu me remercies, cependant, je fais mon travail. Non, cesse de faire ça. Belle fille comme toi, tu balayes? Non. Ah ah. Au moment où je suis dans cette maison, ça c'est mon travail, balayer. Tout ce qu'on te donne comme travail à faire, appelle-moi. Ebélé, mais je te vois arranger tes affaires et tu es en train de sortir? Oui, oh, en tout cas, c'est très bientôt. D'ailleurs, le grand frère a dit qu'il reviendra déjà demain. Alors, je dois partir le lundi. Waouh, ça c'est vraiment bien, oh. Normalement, tu dois aller à l'école à temps pour ne pas être en retard avec tes cours. Par ailleurs, tu as pris tout ton temps de rester dans cette maison. Es-tu en train de me chasser, Ikena? Oui, tu as fait tant de jours de rester avec nous ici. Ikena, je partirai l'année prochaine. Et qu'est-ce que tu me feras? C'est ton problème. Si tu ne veux pas aller, tu restes. Moi, j'ai déjà fini mes études. Si tu ne veux pas aller, tu restes avec nous. J'ai fini mes études. Tu n'as même pas honte. Où sont tes papiers? Vas-y, montre-les-moi, non? J'ai fini. Tu n'as même pas honte, toi. Montre-nous tes résultats. Que la foudre s'abatte sur toi. C'est du mensonge. Une fille stupide. Et toi, tu dis du n'importe quoi. Laisse-moi tranquille. Regarde, je voudrais aller à l'école comme toi. Ah, bah, mais toi, tu iras à l'école. Tu auras ton papier de licence.
Pas comme celui qui est ici en train de dire qu'il a étudié, mais qu'il n'a aucun papier d'étude. N'importe quoi. Il n'a même ça, pas ça, c'est moi que tu provoques. Attends, je vais t'apprendre comment me respecter. Salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Tu n'as pas frappé avant d'entrer. Je l'ai fait au... Je ne t'ai pas vu à l'extérieur. C'est pourquoi je me suis décidé de venir te voir dans ta chambre. Ok, je suis en train de faire la lecture. Prends place. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me regardes comme ça? Rien du tout. C'est tes lèvres qui m'attirent. D'une manière ou d'une autre. S'il te plaît, arrête de me provoquer. Ça m'attire vraiment. Que je vienne t'embrasser, je résiste. Que je vienne t'embrasser, je résiste. Oh, yeah. Viens, hein? Viens m'embrasser. Que je vienne t'embrasser. Tantine, bonsoir. Que fais-tu dans ma cuisine? Oh, j'étais en train de préparer. Est-ce que mon mari s'est déjà plaint à cause d'une mauvaise nourriture dans cette maison? Pourquoi as-tu décidé de préparer pour lui tant que je suis là? Je ne vois pas le mal dans ce que j'ai fait. Avant qu'il ne t'épouse, c'était moi qui étais en train de préparer pour lui. Il est mon mari. Et c'est moi qui décide qui peut préparer pour lui dans cette maison et surtout pas toi. Comme je le dis, Tantine, je ne vois aucun mal dans ce que je viens de faire. D'ailleurs, c'est la maison de mon frère. Il ne m'a pas dit ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Peux-tu la fermer? Je ne te retournerai pas cette gifle. Dégage de mon chemin. Je ne te retournerai pas cette gifle à cause du respect que j'ai pour mon frère. Parce que si tu oses encore le faire prochainement, je me forcerai de te donner ce que tu mérites. Je ne te blâme pas. C'est mon mari que je blâme. Angela! Angela! C'est qui au téléphone? Maman, c'est moi, Ebere. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est quoi le problème? Maman, cette femme a encore commencé ses troubles. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Maman, tu ne comprends pas. Je parle de la femme de mon frère. Je sais. Quelle est la différence entre la femme de ton frère et un homme? N'est-ce pas qu'elle est comparable à ton frère? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Maman, peux-tu imaginer? Je suis en train de préparer pour mon frère et cet homme m'a giflé. Elle t'a giflé? Oui, oh maman. Je suppose que tu voulais apporter de l'aide à son cadavre de corps? Oui, maman. Elle t'a giflé. Puisque tu es venue en aide de son corps mourant, en l'aidant à faire la nourriture pour son mari. Oui, maman. T'inquiète, c'est bien noté. Je crois que je serai là dans peu de temps. Je vais le régler avec elle, oh? Ok. C'est bon, pas de problème. Ok, on verra. Elle va me voir très bientôt chez elle. Cette femme qui veut se faire voir dans cette maison, elle verra. C'est quoi ça? Oui, voilà ça. Ebele. Où est-elle? Ebele. Oui, grand frère. Je suis là. Quand est-ce que tu vas retourner à l'école? Le lundi, grand frère. Lundi? As-tu déjà fait la liste de tout ce dont tu avais besoin? Oui, yo. Est-ce que je peux voir? Tiens comme ça, bébé. Donne. Soixante mille? D'accord, pas de problème. Je vais te donner 90 000 pour être plus à l'aise, ok?
grand frère. Merci, merci. Non, mais il faut avoir juste un bon comportement. Hein? J'ai confiance à toi. Tantine, merci beaucoup. Mm. D'accord. Tu peux t'en aller. Donne-moi. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ton problème? Tu es toujours au travail. Tu ne sais pas ce que j'endure ici. Je suis toute seule ici en faisant face des problèmes de ta famille. Et là, tu comptes te donner 90 000 à ta soeur au lieu de 60 000 qu'elle t'a demandé. Tu as même oublié que ma soeur aussi doit rentrer. Allez, bébé, donner ma soeur 90 000 au lieu de 60, c'est pour qu'elle soit à l'aise. Tu comprends? Cela ne veut pas dire que si ta soeur a besoin de quelque chose, je ne peux pas lui donner. Non, si elle a besoin de l'argent, dis-moi, je vais le lui donner. Y a-t-il encore quelque chose? Oui. C'est quoi? Tu dois parler à tes frères. Ils gaspillent trop la nourriture dans cette maison. Tout ce qu'ils voient, ils mangent. Et le pire est qu'ils veulent toujours tout finir. Ils vont même finir la ration. S'il te plaît, parle-leur. Bébé, tu dois être calme. Tu es en train de te compliquer toi-même. Hein? Écoute, si tu es seul à la maison, tu te plains. Maintenant que tu as les gens à la maison, tu te plains toujours. Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, permets-leur de manger la nourriture, ok? Ne leur interdis absolument rien. Laisse-les manger tout ce qu'ils veulent. Sois calme, ne t'inquiète de rien. Tu dois parler avec eux. Ils ne peuvent pas finir toute la nourriture. Parce que tu te plains aussi beaucoup. Tu ne veux pas. Tu as entendu, mais tu ne vas rien faire du tout. Ce n'est pas les maux de tête. Hey, tu diras. Tu es ici? Oui, je t'ai venu chercher à boire. Et j'avais vraiment soif. Oh, c'est bien. Dera, j'ai quelque chose à te dire. Et qu'est-ce que ça pourrait être? Regarde, Dera, je pense que je t'aime. Oui, je t'apprécie. Regarde, hein? Maman, tu ne m'as pas signalé avant de venir. Bienvenue de toute façon. C'est comme ça que tu dois accueillir ta mère? Non, maman, ce n'est pas ce que je vais dire. Je devais te prévenir que je suis en train de venir. N'est-ce pas que c'est ma maison aussi? Oh, bien sûr que si, c'est bel et bien ta maison. Bienvenue, maman. Hey. Attention. Maman. Maman. Maman, bienvenue. Hein? Depuis quand? Ça a commencé quand? Maman, Seigneur des anges. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Ma fille m'a dit que tu l'as giflée. C'est pourquoi je suis venue, pour que tu me gifles moi aussi. Chérie, tu avais giflé Ebéré? N'est-ce pas qu'elle ne te l'a pas dit? Elle ne te dira pas ça. Elle a eu le courage de soulever sa main sur ma fille. C'est pourquoi je suis venue. Maman, qu'est-ce que tu fais? Maman, Maman, arrête! Maman, c'est quoi ce que tu essaies de faire? Calme-toi, maman! Que j'arrête quoi? Maman, apaise-toi d'abord, non? Ah. Calme-toi, maman! Que j'arrête quoi? Mon unique fille, elle ose lever sa main sur elle! Ça suffit, vous maman, calme-toi! Vous étiez tous là, vous n'avez rien fait! Laisse-moi m'occuper d'elle! Maman, calme-toi, ça suffit! Comme qui? Un officier de police! Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est supposé être une question ou quoi? Hein? Bien? Oh! Attends, oh. N'étais-tu pas ici quand cette femme homme a giflé ta sœur? Hein? Maintenant que je suis venu les régler avec elle, tu veux me poser des stupides questions? Maman? Vraiment, ce que tu dis n'a aucun sens. Personne ne t'a demandé de venir frapper qui que ce soit. Si tu es venu chercher le problème, je fais les gens en désordre, rentre au village. Laisse-nous en paix.
C'est quoi tout ça? Tu dois qu'il rentre au village, moi, singe. On y est? Que je rentre. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Hein? Que fais-tu ici? La vérité doit être dite. Qu'est-ce que tu fais de spécial dans cette maison? Hein? Oh, 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 oh. Ça veut dire que si c'était ta maison, je n'y entrerais même pas. Hein? Viens me mettre dehors. Maman, rentre au village. Laisse-nous en paix. Ce que tu fais n'a aucun sens. S'il te plaît, rentre au village. C'est quoi? Ekena, c'est toi qui vas rentrer au village. Hein? C'est toi qui rentres au village. Je t'ai dit la vérité, maman. C'est la vérité ce que je t'ai dit. Rentre au village, laisse-nous calme. Et vous? C'est comme ça que tu n'apprends rien, tu ne connais rien. Tonovide, il ose me faire le moral dans la maison de mon propre fils. Tu as vraiment le courage que je rentre au village. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu apportes d'intéressant dans cette maison? Hein, Bia, toi ce garçon, reviens ici. Bia, tu es où? Maman a dit que tu lui avais demandé de rentrer au village. Tu diras. Tu sais que maman sème les troubles. Si maman continue à rester avec nous ici, le grand frère va arrêter de nous acheter à manger ou aussi de ne pas nous donner l'argent qu'il nous donne. À peine même qu'il a commencé à prendre soin de nous. Et voilà comment maman sème des troubles avec sa femme. En fait, je comprends ce dont tu parles. Mais ce n'est pas la meilleure façon d'appréhender ces problèmes. Et en entendant maman, elle était vraiment en colère. Attends, tu ne me parles pas de maman. C'est quoi ce que tu dis? Tu ne sais pas que c'est elle qui cherche des problèmes? Elle m'accusera toujours, même si je n'ai rien fait. Ne parle pas de maman. Attends, écoute, tu n'iras. Nous devons demander à maman de rapidement revenir au village. Écoute, frère, c'est le seul moyen que nous aurons la paix dans cette maison. Elle doit retourner. Ok, d'accord. Nous devons juste essayer. Danger, n'est-ce pas? Allons-y dans ce cas. C'est ça, allons. Allons causer avec elle. Maman, nous voulons vous parler de quelque chose. Oui, maman. C'est concernant tes séjours ici. Tu es supposé de retourner au village. Vous me revenez encore avec ça. Disparaissez avant que je ne vous gifle maintenant. Disparaissez, allez dehors. Sortez. Allez dehors. Allez dehors, allez dehors vite. Avant que je me fâche et vous gifle comme des petits enfants. Maman, et c'est la vérité. Tu ne peux pas continuer à vivre ici en ville. Tu dois rentrer au village pour empêcher à tous ces gens d'entrer à la maison et voler tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais si tu es là au village, et qui est-ce qui va venir pour voler tout ce qui nous appartient? Ezuoko, tu diras, tu as fait un point essentiel, oh. Mais je suis venu ici pour un but. Je n'ai pas encore accompli ma mission dans cette maison. Je dois apprendre à cette fille que la famille dans laquelle elle est entrée est fondée sur de valeurs. Elle doit savoir que nous ne tolérons pas de bêtises. Je n'ai pas encore atteint ce but. Maman, il n'en est pas question, maman. Regarde, nous sommes maintenant une grande famille. Elle a appris à vivre avec nous ensemble. Pour que du moins, toutes les autres familles nous prennent comme exemple. Oui, maman. Nous devons éviter que nous soyons humiliés par d'autres familles. Ah, va-t'en! Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ferme ta bouche. Silence. Ne me poussez pas à changer d'avis. Oh. Je partirai, mais pas aujourd'hui. Donc, maman, tu vas rentrer? Je partirai, non? Quand vous m'achèterez une arme. Une arme avec une flèche. Je partirai. Comme le chef officier de sécurité, je partirai. Là, moi, je serai calé avec toutes mes armes, juste comme ça, aux aguets. Vous êtes là en train de profiter de la vie et vous voulez me renvoyer au village sans armes. Et vous attendez que je fasse le travail de sécurité. Espérant que je sois en mesure d'affronter les voleurs quand ils vont venir. Vous allez rester ici, en ville, profiter de la vie, pendant que moi je vais rentrer au village. Vous pensez que moi je n'ai pas besoin de bonnes choses, hein? Allez-vous-en. Mais maman, tu es d'accord de retourner au village? Arrêtez, sinon je changerai d'avis. Merci, ou... maman. Maman, merci maman. Merci, c'est bien, maman. Hey, merci, maman. Vous ne sortez rien de bon dans vos bouches. Toujours de sottises et de bêtises. S'il vous plaît, j'arrive. Un instant. Ah, maman, bienvenue. Quitte de ma vue.
Maman, bienvenue. Où sont mes fils? Mon mari est hors de la ville. Tudela et son frère sont sortis. Maman, tu ne nous avais pas dit que tu venais. Eh oh, oh. J'ai oublié de l'annoncer à la radio que je vais partir dans la maison de mon fils. Maman, je suis désolée. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu es la bienvenue. Laisse-moi t'aider avec ton sac. Enlève tes sales mains. Ne nous pas toucher à mes choses. C'est commencé depuis quand? Hein? Je connais tous les recoins de la maison de mon fils. Après tout, je ne suis pas invalide. Je peux m'aider moi-même. Maman, puis-je t'apporter de l'eau? Regarde-la. Elle ne manque pas à dire. Elle pense me flatter en étant gentille envers moi. Tard! Ça ne marchera pas. Maman? Maman, la nourriture est prête. Viens manger. Tu as osé me toucher? Hein? Oh! Qu'est-ce que c'est? Maman, je dis que la nourriture est prête. Viens manger. Que je vienne manger. Ha! Je ne veux pas mourir maintenant. Hein? Si je suis fatiguée de ce monde, je sais où aller. Je vais aller dans les arrêts de bus où traînent tous ces chargeurs pour permettre à un véhicule de m'écrasoler de manger ces poisons que tu appelles nourriture. Maman, je pensais que tu avais vraiment faim. Après un long voyage, je pensais préparer pour toi. Aïe! Aïe! Je souffre, moi. Donc, ce que tu essaies de dire est que tout le monde de moi est boudé au dos. Je suis incapable de me trouver de quoi manger. C'est ce que tu dis? C'est ça, pas vrai? Non, maman, c'est pas ce que j'ai dit. Je l'ai juste constaté. Biko, va-t'en avec tout ce que tu racontes. Bien, bien. Je constate que ton ventre est toujours plat. Je veux dire que tu n'es pas toujours tombée enceinte. Pas encore. Non. Pas encore, maman. Pas encore. Et tu es fière de ça? Hein? Tout ce que tu fais dans cette maison, c'est seulement préparer, manger, regarder la télé. Hein? Maman, c'est celle Dieu qui donne des enfants. Bien sûr. Je suis d'accord avec toi. Il ne les donne pas non plus à n'importe qui. Puisque dans sa sagesse infinie, il sait voir des femmes qui méritent d'avoir des enfants. Pas des gens comme toi. Non! Des gens stupides et folles comme toi. Comment il te donnera des enfants? Tout ce que tu sais faire, c'est de manger. Tu ne fais que remplir ton ventre de nourriture. Non, pas encore. Et tu es fière de ça. C'est quand tu seras ménopausée que tu vas mettre au monde. Et où? Ouais. Enfin, je devais aller dormir dans ma chambre, moi aussi. Finis ta nourriture, tu peux tout le manger. Pourquoi tu as changé d'humeur? Qu'est-ce qui te fait pleurer? C'est quoi le problème? C'est quoi, dis-moi? Dis-moi, chérie. Est-elle de ma faute? Ce n'est pas ta faute, qu'est-ce que tu as fait? Suis-je la cause de notre stérilité? Non, ce n'est pas ta faute de ne pas avoir les enfants. Ne t'attribue pas la faute. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a quelqu'un qui te l'a dit? Ta mère a fait de cette maison un enfer depuis qu'elle est venue. Elle me parle de toutes genres de choses irraisonnables. Ma mère... T'as vraiment dit ça? Dans ma maison... Non, maman, je ne tolère plus ces bêtises.
Tu ne peux pas venir chez moi pour déranger la paix que j'ai instaurée. Tu ne peux pas. J'ai dérangé quelle paix, dis-moi. Comment peut-on avoir la paix dans une maison où il n'y a pas d'enfants? Laisse-moi te dire quelque chose, maman. Ça, c'est ma maison. Je décide que c'est voulu ainsi. Tu ne peux pas continuer à déranger la paix de ma femme. Ne continue pas à la mettre mal à l'aise. Je ne le supporte plus, s'il te plaît. Je ne le supporterai plus. Arrête ces blabla. C'est dans ça qu'elle t'a transformé. Dis-moi, Emira, quel âge as-tu? Votre union a déjà fait combien de temps? Qu'est-ce que tu as montré comme produit de cette union? Maman, j'ai la paix que je dois gagner. J'ai l'amour dont j'ai bénéficié. J'ai aussi l'unité dont j'ai également bénéficié. Ce sont les trois choses qui me préoccupent maintenant. Je t'en supplie au nom de Dieu, maman, laisse ma femme calme. Arrête de déranger sa paix. D'ailleurs, pourquoi tu ne retournes pas chez toi? Et laisse-nous calme, s'il te plaît. Retourne chez toi. Pendant qu'on parlait, je pouvais entendre la voix de Jennifer. Jennifer, comment tu oses utiliser le corps de mon fils pour venir m'affronter, me parler en face? Parle-moi en face, entre femmes. Arrête de te cacher derrière mon fils. Sors de ce corps pour t'adresser à moi en face. Tu me parles de l'amour? Que connais-tu de l'amour? Combien coûte l'amour? Dis-moi. Maman, je ne le répéterai plus. Tu m'as écouté. Ah, va-t'en. Tu es ensorcelé, je vois. N'importe quoi. Je crois tous vous chercher à savoir pourquoi j'ai convoqué cette réunion. Oui, il y avait beaucoup de querelles, aussi des mésententes, si je peux dire, entre la plupart de vous. Je veux que cela prenne fin aujourd'hui et commençons une nouvelle vie. Je veux que l'amour règne entre vous et vivre comme une grande famille. Alors, à la petite sœur Hera, vous savez ce que je vais dire. Je veux que chacun de vous reçoive quelque chose de ma part. Je veux que chacun me donne son numéro de compte. Je vais transférer d'argent à tout un chacun. Alors, ça vous permettra d'avoir tous ces dons. Vous avez besoin, ok? Que la paix règne. D'accord? Merci, ça, c'est une grande famille et j'aimerais que ça reste ainsi. Merci okay? beaucoup. Je le fais maintenant avant d'aller au travail. Merci. Oui, grand frère. Merci bébé, beaucoup. Je commence avec toi. Oh, chérie, je commence avec toi. Allez. Dites-moi ton numéro. 200. 200. 95. 5. Inkena. Mais qu'est-ce que tu fais de cet objet? Ne t'occupe pas de ça. Alors tu vois ces trucs que je mets là, ne les touche même pas. Ne cherche même pas à l'approcher. Dis-moi, ne juge pas ton frère. Calme-toi. Tu vois ces trucs, je ne veux pas que tu les touches. Ça ne t'appartient pas et ne cherche même pas à savoir si c'est quoi. N'ose même pas les toucher. S'il te plaît. Ne les touche pas au... Ah mon ami, va-t'en, dis-moi, va-t'en. Et je considère que c'était un collier que tu gardais, que c'est absolument rien. Tu as touché ces trucs? Moi? Non. Je suis en train de lire. Es-tu sûr? Je n'ai touché à rien, oh. Pourquoi le sachet devient léger? Hein? Je ne sais pas. Oh, c'est très joli. Tu la préfères? C'est une belle robe. Je savais que tu vas la préférer. Je l'ai vue en cours de route quand je rentrais. Je dis, Angela va la préférer. Ah, merci beaucoup. Merci. 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 Encore une fois des pisseaux. Et ça, c'est ma couleur préférée. Je l'ai dit. Quand je l'ai vue, je savais qu'il y aurait quelque chose concernant cette robe.
Non, je l'ai senti seulement au jour, mais fait est que mes lèvres se sentent aussi à l'aise. Tu ne souris même pas, bébé. C'est comme si tu es fâché. Hein? Souris un peu, bébé. Hein? Allez. The national side in the last run of fixtures in the Nations League. Fernandez, as he backs up without even trying to make the move, the long range shot. Tu as raté. From range. See how well they can get to grips with the ball. People of vast experience. Senegal. So we can make errors in the last game. Kick out, you might. No, not that I know of. Who knows what the hell they injected her with? No, not just that. Who knows what that dirty bastard even exposed her to? In any case, we really have to save her. There's no cure. They got to. We don't know whether Lamez told her the truth or just did to screw her over. Mm-hmm. Yeah, but how will you take her to the doctor? We're all fugitives. Besides, how will you explain the injections? It's all too strange. Regarde le comportement de cette femme. Elle vient directement prendre la télécommande, changer la chaîne sans demander. Et parfois, elle me donne envie de la gifler. Elle n'a même pas les mots de respect envers nous. Elle ne nous considère même pas. Tu le remarques aussi? Tu l'as remarqué. Elle s'est faite elle-même la reine de la maison. Je ne la condamne pas non plus. C'est notre grand frère qui a tort. C'est notre grand frère qui est à la base de toutes ces bêtises. Angela? Mmh. Pourquoi m'as-tu appelée à cette heure de la nuit, hein? J'espère que tout va bien. Non, je me sens pas très bien. Je suis très chaud. Oh, désolé. Est-ce que tu prends le médoc? Non. C'est pour cela que j'avais besoin de toi ici. Je veux juste que tu commences à me masser. Mais, Angela, mon frère est là. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre puisse venir nous suspecter ici. Personne ne nous verra. Personne ne peut entrer ici sans toquer. Je n'ai même pas apporté le préservatif. Et tu sais que je ne peux pas faire le sexe non protégé. Non, rien ne va arriver. T'inquiète, rien ne va arriver. S'il te plaît. Insensé. Maman, c'est quoi le problème, non? Tu as dit que tu voulais de l'eau chaude. J'ai dit à Angela de te le faire. En quoi c'est devenu un problème? Es-tu folle? Tu sais de tourner sur moi? La prochaine fois, tu oses faire encore ce que tu as fait aujourd'hui. Je t'apprendrai la leçon que tu n'oublieras pas toute maman, ta vie. Maman, s'il te plaît, arrête de faire chérie? Ça. Oh, que maman, j'arrête quoi? S'il te plaît, pardon, pardon. Chérie, je préparais et maman a dit qu'elle voulait de l'eau chaude. J'ai supplié Angela de le faire pour moi. Mais maman a commencé à m'insulter et me faire ça. Quoi? Quoi? Maman, s'il te plaît. Enlève ta sale main. S'il te plaît, maman, arrête. Arrête. C'est quoi le problème? C'est quoi avec toi? Tu ne vois pas que nous n'avons pas la paix à chaque fois que tu es là? Peux-tu nous donner la paix? Tu parles de la oui. paix? Oui. Comment peut-on avoir la paix dans une maison où il n'y a pas d'enfants? Ce n'est pas possible. Hein? Ce n'est pas possible. Tu dois épouser une autre femme. Tu dois épouser une femme qui sera capable de te donner des enfants. Qui sera capable de me donner des petits-enfants. J'ai besoin de le porter. Je suis fatiguée de la stérilité de cette fille. Écoute, maman. Laisse-moi te dire ceci une fois pour toutes. Tu vois cette femme, elle m'appartient. Et elle reste là. Maman, par l'amour de Dieu, ça c'est ma maison. Et je prends la décision de ce qui se passe. Ça c'est ma famille. Je décide également comment la diriger. N'écris pas. Heureusement que tu as dit famille. Une famille composée d'un père, d'une femme et des enfants. Mais ton cas est différent. Je vois un homme et une femme. Tu peux continuer. La suite, il n'y a pas d'enfant. Écoute, maman. Cette bêtise va s'arrêter aujourd'hui. Je m'en fiche de tout ce que tu dis, mais comme tu la vois, elle reste parce qu'elle est ma femme. En plus, maman, fais-moi faveur, je t'en supplie au nom de Dieu. Fais ta valise. S'il te plaît, fais ta valise pour que la paix règne. Demain, tu vas quitter ma maison et ça, c'est ma décision finale. Chérie, allons en chambre. Stérie. Maman? Maman? Frappe-moi. Maman? Frappe-moi. On verra entre moi et vous. Imbécile. C'est quoi cette histoire? J'ai une question à vous poser.
Avez-vous besoin de quelque chose dans cette maison et je ne l'achète pas? Non, grand frère. C'est de même. Je suis sûr que je donne à maman toutes les choses dont elle a besoin. Et à chaque fois quand maman vient dans cette maison, ce qu'elle sait, c'est faire à ma femme penser et pleurer. Durant tout son séjour, je ne comprends pas. Une femme ne peut donner des enfants. Unique Dieu qui peut donner des enfants. Et je suis plus maman tous les jours. De nous donner un peu le temps, pourvu que le plan de Dieu, c'est manifeste. Vous êtes tous fâchés parce que j'ai dit que maman va partir demain. Ah! Non! Moi, je te donne mon soutien. Ah! Et toi, tu n'iras. Je n'étais pas vraiment en colère. J'étais juste déçu de la façon dont tu avais crié sur maman en présence de ta femme. C'était vraiment un manque de respect. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé de ça. Ok? D'accord, grand frère. Je sais que le mois prochain, ils vont commencer à vendre la fiche d'examen. Oui, grand frère. Je te donnerai l'argent pour l'acheter. Dès que la vente commence. Merci, grand frère. Ok? Merci. Mon frère, c'est comment concernant l'argent que je t'avais demandé. Ne t'inquiète pas, je suis en train de chercher pour te les donner. Je ferai les transferts de l'argent demain quand je retravaille. De manière à ce que vous vous sentiez tous à l'aise. Grand frère, je suis content de ce que tu viens de dire. Je veux que tout le monde soit content. Tout le monde est content, frère. Ok, d'accord. Je vous laisse un peu, mes frères. Hey. On est maintenant calme. Maman? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu es venu me foutre dehors? Que je parte? Non, maman, ce n'est pas ça. Ha! Je ne suis pas ici pour ça. Maman, je suis désolé. Je vais sincèrement présenter mes excuses auprès de toi de la manière dont je t'avais parlé récemment. Mm-hmm. Pardon, je suis désolé. Je cherche à ce que tu comprennes. Maman, pardon, attendons le bon temps de Dieu. Attendons le temps de Dieu. S'il te plaît, maman, donne à ma femme le temps. Elle va donner naissance. Ce n'est pas l'homme qui donne les enfants, mais c'est Dieu. S'il te plaît, laisse à ma femme le temps. Je sais que tu as besoin de voir tes petits-fils. Ils viendront. Je te promets qu'ils viendront. Relaxe-toi, maman. Le temps de Dieu est le mieux. Le temps de Dieu est déjà là. Ça fait aujourd'hui 4 bonnes années depuis que vous êtes mariés. 4 solides années. Sans enfants. Tu me parles du temps de Dieu. Je dois être relax. Que je relaxe jusqu'à mourir en attendant le temps de Dieu. C'est évident que cette fille t'a mis sous un charme. C'est pourquoi tu ne vois pas ce que moi je vois. C'est pourquoi tu ne peux voir combien elle est maligne. Maman, ma femme n'est pas maligne. Dieu n'importe elle ne m'a quoi. Rien donné. Hmm. Je t'en supplie seulement, maman. Le temps de Dieu est mieux. Ça a toujours été mieux. S'il te plaît. Je ne peux plus attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu était déjà là et ça s'est écoulé. Oh, Guinée, tu dois épouser une autre femme. Tu dois trouver une autre solution. On doit trouver une autre piste. Ne connais-tu pas ce dicton qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera » Nous devons l'appliquer. Tu dois te trouver une autre femme dans ces cas précis. Tu vas épouser cette fois-ci une femme complète. Une femme qui est fertile et qui saura me donner des petits-enfants. Maman, je ne vois pas épouser une autre femme. Hein? Je ne vois pas épouser une autre femme. Tu dis? Oui. Mon père avait épousé seulement une femme. C'est toi. Oui. C'est parce que je suis une femme complète, je fonctionne, je suis en forme, je suis fertile. J'ai donné à ton père 4 adorables enfants. 3 mignons garçons, toi et tes frères. Tu sais de quoi il s'agit. Et une fille belle de visage et de taille. Allez-y les comprendre. Tu vas me donner des petits enfants. Tu dois trouver une femme qui est full option. C'est quoi ton problème? Tu veux que je reste sans petits enfants jusqu'à ma mort? Maman, finis avec cette causerie. Non, ce n'est pas fini. Viens, reviens ici, Emira.
J'étais en train de dormir dans les calmes. Tu es venu déranger mon sommeil. Reviens ici, on continue cette discussion. Jusqu'à trouver une solution. Tu dois épouser une autre femme qui te donnera des enfants. Tu viens me faire le moral. N'importe quoi. Que tu le veuilles ou pas, tu dois trouver une autre femme. Je vais avoir des petits-enfants. C'est quelle sottise ça. Tu as vraiment le courage de venir déranger mon sommeil. Angela, nous devons parler. Ok. Est-ce que tout va bien? Écoute, Angela, laisse-moi aller tout droit au but. Si tu sais que tu as quelque chose en commun avec mon frère Tinera, dis-le-moi et je vais me retirer. Allô? Non, je ne veux pas que tu me prennes pour un fou. Je ne comprends pas. T'as-t-il dit qu'on a quelque chose avec lui? Toutefois, il ne m'a encore rien dit. Mais c'est quoi, Angela? Écoute-moi, Ikenna. Je t'aime, c'est ce que tu dois savoir. Je n'ai aucune relation avec ton frère. Ce petit Dera. Non. Écoute, c'est juste que je suis jaloux. Tu sais que je t'aime beaucoup, hein, chérie. C'est pour cela que tu es venu m'accuser d'une chose que j'ignore. Non, ce n'est pas comme ça. Je suis désolé, hein. Ne te fâche pas. C'est comme ça qu'on dit à sa chérie, désolé. Désolé, non. Titi, Angie, hein? Mon bébé Angela. Il n'y a rien entre moi et ton frère. D'accord, bébé. Je te verrai après, hein? Bye. Belle fille. Mon Dieu, oh. Qu'est-ce que c'est, non? Ça fait maintenant 3 semaines que je n'ai pas vu mes règles. Est-ce que ça peut être... Non. Je dois voir un médecin. Je dois voir un docteur. Ikenna, on doit parler. Ah, mon bébé. Parle-moi, non? Parle, père. Hein? C'est quoi le problème? Ah, c'est quoi ça? Tu es enceinte. De qui? Es-tu sérieux? Est-ce une question? Je suis enceinte de toi. Écoute-moi, Angela. Je ne suis pas prêt pour être un père d'enfant maintenant. Je ne peux pas les supporter au même moment avec les études. Si tu sais ce qui est mieux pour toi, avorte cette bêtise. Est-ce que tu vas bien? Es-tu fou? Écoute, le plus tôt tu commenceras à prendre tes responsabilités pour cet enfant, le mieux serait pour toi. Cet enfant ne sera pas avorté. Tu m'as bien compris. Angela, tu m'as giflé. Oh mon Dieu. Ikenna n'est pas prêt à prendre ses responsabilités. Qu'est-ce que je veux faire? Mon seul espoir, c'est Chidera. Que je l'appelle d'abord. Que je lui dise de venir me voir. Chérie, pourquoi est-ce que tu avais l'air inquiète quand tu parlais au téléphone? Et pourquoi tu parais si triste? C'est quoi le problème? Regarde toi-même. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Que veux-tu dire par là? C'est la raison pour laquelle je t'ai appelé ici. Et es-tu prête pour ça? Pourquoi? L'avortement, bien sûr. C'est un grand problème qui nous guette. Et moi, je ne peux pas... Non, tu diras, non. Je ne ferai pas d'avortement.
Je ne le ferai pas maintenant et même pas pour toujours. Ce que tu dois faire maintenant, c'est seulement aller chez ma soeur et lui dire que tu m'as engrossé. Non, 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 non. Ne les fais même pas. C'est moi l'homme dans cette affaire et laisse-moi gérer ça. J'irai voir mon grand frère et je lui parlerai à propos de la grossesse. Apaise-toi juste. Tu ferais mieux. Angela, tu ne peux pas être plantée là à réfléchir toute la journée. Je suis désolé de la manière dont je t'avais parlé hier. Donc ce n'était pas moi, j'étais vraiment confus. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. C'est comme ça qu'on dit désolé à quelqu'un? Je suis désolé. Agenouille-toi si tu es vraiment désolé. Une, deux, trois, avec tous les deux genoux. Ok, je te pardonne. Tu m'as pardonné? Mmh. Angie. Arrête. Angie. Hein? Je te jure de garder la grossesse. Oui, je vais parler à maman, aussi à mon grand frère. Je pense que les deux vont apprécier mon idée. Wow! Oh, merci beaucoup. Ok, c'est bon, porte-moi. Porte-moi. Il y a des gens à la maison. J'ai dit porte-moi. C'est ce que tu veux? Porte-moi maintenant. Oh, ok. Angela, est-ce que ça va? Oui. Es-tu sûre? Angela? Angela, à l'aide, à l'aide. Angela, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Angela? Angela? Qui peut m'aider? Angela? Angela, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Angela? Angela? Angela, parle-moi. Angela? 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 Angela, qu'est-ce qu'il y a? Non, on vient de parler, il y a deux minutes passées. Angela? 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 Angela, parle-moi. Non, 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 non. C'est quoi cette bêtise? Comment expliquer? Quand est-ce qu'elle avait mangé? Qu'est-ce qu'elle avait mangé? Comment est-ce que sa nourriture a été empoisonnée? Comment expliquer? Hein? C'est arrivé comment? Quand est-ce qu'Angela avait mangé? C'est dans cette maison? Ou alors? Oh mon Dieu! Je ne peux pas supporter ça. Ma sœur est morte. Ah. Je n'arrive pas à croire que c'est vrai.
Personnellement, je vais m'impliquer dans ceci. Ok? Dès demain, on va déjà commencer l'enquête. S'il te plaît. Je ne peux pas comprendre. Je suis désolée. Angela. J'ai quelque chose à te dire, mon frère. C'est concernant la mort d'Angela. Qu'est-ce que tu peux possiblement savoir de la mort d'Angela? Mon frère? Tu diras qu'on fait ça auprès de moi qui lui avait remis des pilules abortives. C'est ce qui a occasionné sa mort. Es-tu sûr? Oui, non? Kenna, es-tu sûr? Pourquoi est-ce que je peux te dire le mensonge? N'ose pas que tu ne reçois loin de toi. Hein? Ne permets pas que tu ne reçois loin de toi. Hein? Laisse-moi d'abord me rassurer si il est là. Hé, hey, Seigneur. Pourquoi tu Dera et Kenna peuvent me faire ça? Hé, hey, ce n'est pas possible. Les gens se moqueront de moi. Oh. S'ils l'apprennent, je serai un sujet de moquerie. Et oh, la police viendra m'arrêter ici. Ha, que Dieu nous en épargne, maman, ça n'arrivera pas. Dieu va nous épargner de quoi? Nous sommes en train de parler de la vie humaine ici. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Peut-être que le grand frère parlera avec eux. Parler à qui? Qu'est-ce qu'il y a du diable? Où est passée leur intelligence? C'est réellement le diable ou eux-mêmes? Hein? Hey! Il s'agit bien de la vie humaine ici. Oh. De la vie humaine. Hey. Il s'agit de la vie humaine. Oh. Je suis vraiment choqué. Mon propre frère a pu commettre un tel crime. Qu'est-ce que tu n'auras pensé? Et je pensais qu'il était doux. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su. Oh mon Dieu. Ces gens m'ont créé des problèmes. Il doit souffrir. Il doit payer ce qu'il a pu me faire. La police a dit, elle va lui livrer au parquet le lundi. C'est de là que se déroulera le procès. Je prie qu'il pourrisse en prison. S'il te plaît, s'il te plaît. Hey, Chineke. Hey, Jennifer, Miko, pardon. Pardonne-nous. Pardonne mes enfants. Du mal qui t'ont causé. Je te prie de me pardonner de tous les mal que je t'ai causé, de tous les torts et les troubles que je t'ai donné. Pardonne-moi, oh, Jennifer. Pardonne-moi. Je suis désolée. Maman, je t'ai déjà pardonné. Hé, hey, oh. Merci, oh. Maman, arrête hey. De pleurer, s'il te plaît. Merci. Qu'en est-il du crime de mes fils? Je leur ai aussi pardonné. Mon amour, maman, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je crois que cette nouvelle va vous plaire. Je n'ai pas vu mes périodes. J'étais allée consulter un médecin. Il m'a dit que je suis enceinte. Merci Jésus. Merci Jésus. Maman, tu entends? Merci Jésus. Hé, hey, mon Chineke. Dieu. Oh. Dieu, je te remercie. Je te remercie. Bébé? Hé. Hey.
Merci, je ne pardonnerai pas du mal que j'ai causé à cette fille. L'étant de Dieu le meilleur. Ce n'est pas du tout par ma force. Ah.